c'est je le fête, enfin je les fête pas d'ailleurs, mais je pourrais fêter mes 20 ans. En novembre 2012, ça fera 20 ans que j'ai fait ma première teuf. C'était novembre 92, hein, pour ceux qui ne savent pas compter. Première fête, Tribal New Limit, organisée par des amis à moi, dans un des halls du Bourget avec Lisa Elias, Brian Washer, et je sais plus qui quoi. Donc premier flyer officiel avec mon blaze, Manu Malin dessus. Que 3 jours avant, j'avais pas d'ailleurs comme blaze. Il a fallu que je résiste. Enfin, 3 jours avant, j'exagère, mais c'est pour le flyer quoi. Donc voilà, cette année ça fait 20 ans. Et merde. J'ai Hernan Jones comme ça, mais je suis un bon quadra. C'est passé avec les free parties, enfin vite fait quoi, parce que t'es quand même, t'étais là à l'époque du Molitor et tout. Même bien avant, hein, puisque mes potes c'était technocrate, hérétique, psychiatrique avec qui j'ai commencé, tout ça. Donc, moi il y a eu certaines choses qui m'ont dérangé dans le côté l'espèce de repli sur soi-même, c'est-à-dire si t'étais pas habillé en kaki et que t'écoutais pas de la musique, ce que j'appelais moi de la musique de bips quoi, le petit pois comme on disait à l'époque, ça a été la blague, t'étais pas un vrai quoi. Donc moi je me retrouvais avec des gamins, déjà à l'époque j'étais déjà plus vieux, des mecs qui voulaient m'apprendre la vie le samedi soir parce qu'ils étaient français, et le dimanche ils retournaient chez papa et maman avec leur pitbull en laisse quoi. Et ça me dérangeait un peu quoi, une attitude de faux rebelle. On peut faire des choses décalées, on peut faire des choses underground, des choses dans la marginalité. Moi à mon petit niveau j'ai toujours une vie un peu de marginale, encore au jour d'aujourd'hui. J'ai pas, contrairement à ce que pas mal de gens pourraient croire, une espèce de vie dans une cage dorée comme un DJ d'Ibiza quoi. Parce que j'ai choisi un créneau musical, enfin je l'ai même pas choisi d'ailleurs, c'est lui qui m'a choisi plutôt. Donc cette espèce d'enfermement dans une case free party m'a gonflé. J'ai toujours essayé de faire le pont entre les deux. Donc j'ai souvent été taxé d'ailleurs de DJ commercial parce que je jouais dans des rêves payantes, ou pas. Mais on se souvenait peu des moments où je jouais dans les rêves pas payantes. On se souvient pas non plus que j'ai aidé parmi les premiers à défoncer des hangars quoi. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose dont je me tarie pas des loges à ce niveau-là quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si c'est à refaire, je le referai sans problème. Ça m'arrive encore de le faire, mais bon, ça c'est discret. Technique, un néandertal de la technique, parce que Cro-Magnon c'était un peuple un peu primitif et violent. Je préfère le néandertal qui était déjà évolué intellectuellement on va dire. Mais je reste un homme de néandertal de la technique, c'est-à-dire chez moi mon studio est composé, malheureusement les trois quarts de mes machines sont mortes, mais c'est composé de 909, de synthé, d'analogique. Les trois quarts sont morts, donc là je me suis fait refaire une bête de compète en ordinateur avec une tour, pas de laptop, hein, un gros machin, par un ami que je peux citer, une Gazilom, donc Pepe Macabre, qui est pour moi un génie de la musique et de l'informatique, donc il m'a fait un énorme ordi avec tous les softwares possibles et imaginables. J'ai beaucoup de mal à me mettre là-dedans, mais je m'y mets au fur et à mesure. Je suis un peu obligé, mais je vais essayer de garder quand même, je garde ma table analogique, c'est une question de grain quoi. Mais je suis largué, je l'avoue, je suis largué. Je devrais faire des formations d'informatique ou même de son quoi. Et, j'ai quitté l'école très jeune, c'est pas pour y retourner quoi. Donc, voilà. J'aime la Bretagne et j'ai encore plus d'affinité avec Brest évidemment, hein, tout le monde le sait, je suis par la métropolis depuis 18 ans cette année.
la Bretagne, c'est un peu ma seconde patrie. Voilà, quoi. Manu Malin, c'est Malinec, quoi. Hein. Voilà. Guermat. Et c'est un public qui donne, quoi. Qui donne et qui en veut. Si tu fais semblant ici, tu te fais vite jeter, quoi. Donc à chaque fois, ça me permet de... Déjà, sans être prétentieux, je pense pas à faire semblant. Et ici, je donne vraiment tout ce qu'il y a à donner, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu vas donner ce soir alors quel... J'en sais rien encore. Il est... On va voir mon téléphone pour dire comment je suis né en Dartal. Hein. Donc un ça, on dit pas la marque, mais MX-2055, hein, avec du Barnier autour. Et il est 10h10, donc 21h49, avec mon montre. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais jouer. J'ai un bac à disque, je joue toujours des vinyles, avec des CD, parce que je suis obligé, parce qu'il y a des morceaux qu'on trouve en vinyle. Et pour l'instant, je ne sais pas comment c'est sans miroir. Je vais jouer de la techno, une techno sombre, on me retrouve quand même, mais avec des rythmes beaucoup plus groove et funky. Quoi. Ok. Et voilà. Encore une petite question comme ça, ton meilleur concert, ta meilleure scène C'est celui de la semaine prochaine, je pense. Je sais pas où je serai. Là, c'est un truc... Chaque soirée, chaque scène... J'ai la chance de faire ce que j'aime depuis 20 ans, d'en vivre. D'une manière correcte ou pas, ces dernières années c'est difficile, mais pour des raisons personnelles où je me suis mis un peu en retrait, j'ai pas fait de musique depuis 5 ans, je me suis un peu reconcentré, recentré sur moi, sans être dans le délire ni moi, ni myself, tu vois, mais donc aujourd'hui je continue voilà, à jouer, donc pour moi chaque soirée est la meilleure. Après je m'aide, un peu de vodka, un peu de machin, un peu de truc. Et puis je rencontre des gens là ce soir, tu vois, je fais la connaissance d'un mec qui est un des précurseurs du dubstep en France que tu vas interviewer tout à l'heure, qui est un mec qui a 10 ans de moins que moi, on a le même passé, on vient des mêmes trucs, Paris, les machins, etc. Tu vois, le même cursus. Et c'est génial, et pourtant c'est un mec que j'aurais pu croiser 1000 fois, je le croise ce soir, je trouve ça bien. Ça c'est l'effet techno. En tout cas, je le dis comme ça.